Je crois pas être en avance, je crois même être un petit peu en retard, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, tirage au sort à 20h45, hein, comme d'habitude, vous commencez à connaître le principe. Celui qui tire au sort, et coucou Flo, celui qui tire au sort, je chasse dans son safari des amis, salut Hunter Prochani. Et c'est 45, donc c'est parti. Et c'est Jerry92 chez qui on chasse. Alors je crois que je t'ai déjà, Jerry, si je dis pas de bêtises. Il a quoi? Brossez-la, mais... Polichambre. Polichambre, arrête. Ouais, on va partir avec... On va partir avec quoi? Ça dépendra du troisième, en fait. Il peut y avoir quoi en spectre, déjà? Alors, en spectre, on peut avoir Terraclope, Grodrive, Spiriton ou Golemastock. Ah ouais, donc du coup, pour le synchro, bah, on va attendre de savoir qui est le troisième. Du coup, le mec est toujours... C'est Grodrive, ok. Alors, Grodrive, hein. Donc, on va... Ouais, mais j'ai toujours pas de synchro assuré, moi. Donc, on va partir sur du modeste, nique sa mère. Parce que... voilà, en espérant tomber sur Branet, du coup, même si c'est pas mon préféré, en termes de nature... C'est ce que j'ai de mieux, quoi. Donc on va partir modeste. Comme il y a des Pokémon Spectre, il nous faudra Aquaquack. Et d'ailleurs, on va mettre Aquaquack en premier. Hop. Il peut avoir force. Pas force, fouille. Donc on retire la chance. Donc ça, c'est bon. Au niveau de la faune. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je prépare ça aussi. Bon, on va se mettre à chasser comme si on n'était pas au courant, tu vois. Et donc c'est bien Grodrive le dernier. Ils sont tous beaux en plus. Bon, on est bon là, non? Il me semble. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est bon. Donc au final, j'ai plutôt envie d'avoir Branette. Enfin, Polichambre. Brosselum, même si Brosselum reste mon préféré des trois, mais c'est par rapport au synchro, quoi, parce que ça me fait chier de pas avoir de synchro assuré au final. Si vous avez des idées pour des surnoms, je compte sur vous, je suis pas trop inspiré. Alors moi, je vous avoue, pour Branette, j'aime bien trouver des surnoms en fonction des poupées hantées dans l'histoire, la mythologie, tout ça machin. Mais du coup, à toi de voir, tu vois. Après Chucky, ça a déjà été donné 10 000 fois, mais voilà. Bon, Brosselum, on verra. Et Grodrive, je sais pas. Comment il s'appelait le dirigeable d'Hitler? Le Zeppelin, c'est pas ça? Enfin, ou le nom d'un dirigeable célèbre ou quoi? Il y a quand même 4 semaines qu'on a rien trouvé en Salut, ça va, non? Du coup, on a fait 4 fois le taux, quoi. En fait, pour planter, il y a Robert, Annabelle, Mandy, Elmo, Leta. Elmo, j'aime bien. Ou Pupa. Branette, c'est Jupeta. Je serais une chance sur les sites d'horreur de Creepy. Ouais, moi aussi, j'aime bien ce genre de recherche sur Google. Et sinon, il y a Crystal, Trou, Monica, Charla, Isaac. J'aime bien Isaac. Lily, Ashley, Cameron. J'aime bien aussi le. Comment il s'appelait? Alors, si c'est un mâle, on peut l'appeler Doyle, comme Eric Doyle dans Heroes. Et comment il s'appelait sa femme qui est morte? Il tombe sous le charme de Lorraine, mais il me semble qu'il avait une copine qui était morte au départ, Doyle dans Heroes. Parce qu'après, dans la web-série d'Heroes qui fait la transition entre le reboot et l'original, pendant qu'il est au cirque, machin et tout, parce qu'il finit par aller au cirque, Doyle. Il tombe amoureux d'une meuf au cirque, machin, mais ça on s'en branle en fait, parce que ça, ça pue. Moi je voulais celle d'avant, celle qui s'est fait tuer. Il en parle dans la saison 3, on est quand même d'accord, non? Ou c'est moi qui suis con? Il en avait une et il l'a tuée. Donc Doyle a tué sa meuf? Parce qu'en fait j'aime beaucoup les surnoms à base de Heroes déjà parce que c'est pas trop donné, alors que la mythologie est très forte. Oui, non mais il tombe direct sur Claire et sa mère, mais en fait il en parle du fait qu'avant il avait essayé d'être normal, mais que du coup tout le monde l'avait pris à partie, machin, au point qu'il avait perdu sa meuf et tout. Mais alors, peut-être que c'est lui qui l'a tué, genre de folie, tu vois, et qu'au final, voilà. Grodrive égale Baudruche. Ouais, c'est un peu parvenu. Enfin, convenu, plutôt. Ah bah, du spoil, vas-y, c'est sorti en 2005 ou 2006, Heroes. Calmez-vous, tu sais. Après, on a pas beaucoup trouvé de surnom pour brosser l'homme, au final, quoi. Du coup, il va finir en Acrobranche. Il en parle, mais il donne pas son nom. D'accord, Rips, ouais, merci. Beachwood. Comme c'est Birchwood, le bois de boulot, mais en trollesque. J'avoue. C'est mignon. Ils prennent pas de nom les Ents dans le Seigneur des Anneaux. Dans Runes of Magic, il y en a qui ont des noms. Ah ben voilà, dans Runes of Magic, il y a Perodia. Mais ça, à la limite, je le réserverais plus. C'est même pas dans la limite, c'est Perodia. C'est comme ça que j'appellerais mon Descendant Floods, tu vois. Je vais pas le donner à un surnom, ça ferait des amis, un truc pour... Enfin, qui compte autant pour moi que les surnoms issus de Runes of Magic, vous voyez ce que je veux dire. Maokai, ça peut être marrant. Samara, ça donne un film d'horreur que... Et qu'elle a la peau blanche. Et ben alors ça, ouais, ça me plaît ça. Paki pour Brosselum, si t'as des noms de Foranté comme Agi. Aokigara au Japon, Aoyabasu en Roumanie, Miss Noibor, j'ai sûrement tout ça, j'avoue. Mais après, ce sera à Jerry de choisir finalement. Mais moi, j'aime bien l'idée d'Hunter Prochani pour un Brosselum femelle qui serait Samara. Après, Onodrim ou Onid, c'est sympa. Onodrim, j'aime bien. Led Zeppelin, c'est marrant. Ouais, c'est marrant aussi. Ouais. Et même Led en majuscule, tu vois, L.E.D, Zeppelin, parce que du coup, tu sais, vu qu'il brille et qu'il est jeune, il est clair en fait. Donc, Led. Et Zeppelin, parce que c'est quand même indirigeable, un ballon, et en même temps c'est marrant, tout ça, tout ça. Polichambre, il a balombre, châtiment, feinte et malédiction. Donc on a bien des trempages, on est ok. Brosselum, alors il a malédiction, vampigraine, feinte et racine, donc on est paré. Et en 6ème génération, Grodrive, il a au niveau 30, châtiment,
stockage, vent mauvais et représailles apparemment. Donc il y a rien de dangereux. En fait, je trouve que ce qui gâche un peu Gros Drift, c'est l'espèce de merde qu'il a sur la tête, là, la moumoute, je sais pas quoi. Alors je sais pas si c'est censé représenter un nuage ou une crotte de chien, mais je trouve ça proprement dégueulasse en fait. Mais en vrai, il est beau en shiny Gros Drift, hein. Plus je regarde le sprite, plus je le trouve joli. Kippa Cabana. Kippa Cabana, j'aime bien. À la limite, ça, tu vois, ça passe. Mais quel est le putain de rapport avec Gros Drift en fait? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est pas une kippa ce qu'il a sur la tête. Donc à la limite, si tu veux qu'on mette ça, on mettra ça, tu vois, mais. Et voilà l'intégrale pour Polichon. Bah du coup, si d'un côté on a Kippa Cabana, de l'autre on peut l'appeler Burkai Pirina, tu vois, comme ça. J'en ai marre de moi, je me fatigue tout seul quoi. Brabalan. C'est mignon Brabalan, j'avoue. Sérieux, Grodry, il est juif, il a une kippa et une étoile de David. Et une étoile de David, c'est du scotch. Parce qu'il est troué. Du coup, quand c'est du scotch, c'est plus l'étoile de Sanchez ou de Pablo que l'étoile de David. Hein. Oh, mais en fait, quand j'appuie sur entrée, ça marche pour le compteur. Putain, mais c'est génial! Quel développeur de génie suis-je? Je savais même pas que j'avais déjà codé ça. Ça devait être des restes que j'avais commencé à faire pour Eclipse. Et du coup, qui s'active quand il n'y a qu'un seul compteur, comme ce soir. Tu l'appelleras Grodwin. Putain! Ça, c'est génial! Ça, c'est génial. Ça, d'accord, tu vois, je valide. Parce qu'à la fois, ça passe, et à la fois, c'est marrant. Et en plus, c'est thématique avec le nom du Pokémon et tout, donc ça, c'est cool. Grodwin, j'aime beaucoup. Tu vois, entre. Aujourd'hui, mes deux gagnants sur les surnoms de Grodrive, c'est Kippa Cabana. Et Grodwin. Et ton Pokémon préféré, c'est Libégon. C'est Libégon, c'est pour ça que c'est mon avatar, que c'est le logo de la chaîne Twitch, YouTube, Twitter, Skype, MSN, Caramel. Grodwin, c'est vendu. Et si c'est une fille, Grodwina, ou Grodwin au féminin avec deux N-E, ou comment? Ou alors, Grodwin si c'est un garçon, et Kippa Cabana si c'est une fille. C'est ce genre de journée où le matin, tu reçois un mail sur YouTube qui te dit « Ouais, machin, vous avez accès à différents networks publicitaires, de partenariats, machin. » Et où le soir même, vu le shiny que t'as, tu sais que t'as beau avoir accès au network, machin, tu pourras jamais en avoir un seul parce que tes viewers sont complètement tarés. Et du coup, les surnoms seront jamais validés. Donc c'est assez marrant, j'aime beaucoup ce décalage. Mais ouais, du coup, on sur YouTube, aujourd'hui, c'est la nouvelle du machin. Alors après, je me méfie de très loin parce que vous connaissez mon amour des networks. Et pour qui c'est vos enfants juifs? Mais non, pas du tout. Pourquoi four pour les enfants juifs? Ah putain, four. OMG, vous êtes fous. Vous êtes juste des putains de fous. La rediff va tellement passer sur YouTube. Bah en fait, ça passera. C'est juste les moments choisis, comme on dit chez Arthur. Putain, mais j'avoue que ça va être compliqué de mettre ça sur YouTube. Débat sur Brosse et l'homme. Bah ouais, mais du coup... Perodia, c'est le Lance légendaire, en fait. Enfin, mais genre, vraiment. C'est hip-hop... à chaque end qui meurt, quand le joueur tue sur un serveur, il y a une chance sur combien, je sais plus. Attends, je vais chercher Perodia, déjà. PNJ. Au pire, on va partir sur PNJ, on va chercher les Ents. En fait, toutes les 20 heures, il a 1,5% de chance d'apparaître à la place d'un Ent qui serait tué par un joueur. Alors le truc, voilà, je l'ai vu deux fois dans ma vie, et c'est assez fabuleux. Putain, mais j'aimerais bien trouver des Ents, moi. En fait, dans la vallée des elfes, il y a des Ents. Natensu, ouais, dans la vallée des elfes, il y a Natensu, écrit comme ça, qui est plutôt cool, en fait. C'est lui qui t'apprend à tuer les lapins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Folsit. Funefia, j'aime bien. Et il y a aussi le boss d'origine. Alors attends, Falinum. Le boss de l'origine s'appelle Falinum. Et c'est un int. Falinum est limite plus stylé que Perodia au final. Je vais essayer de vous trouver une image. Et il y a également l'int dans la vallée. Alors attendez, c'est la forêt méridionale de Janos, je pense. Ou septentrionale. Méridionale, septentrionale. Nax. Et il y a Nax. Donc je vais vous trouver des images de Falinum et de Nax. Alors voilà une image de Falinum, l'arbre sacré. Donc ça, c'est Falinum, l'arbre sacré. C'est le boss final d'origine, c'est-à-dire l'instance, en gros, de la nature, où tu te bats principalement contre des limaces, des ents, etc., etc. Et ensuite, Nax, l'arbre sacré. Bah, en fait, Nax ressemble à ça. Il est encore plus grand, en fait, et en plus violet. Il est, en fait, là où Falinum a des reflets blancs, Nax a des reflets violets. Donc je sais pas si ça te plaît, Jerry, comme idée. Mais j'aime bien ces deux mecs-là aussi. Après, c'est pas Perodia, tu vois. C'est pas aussi épique, donc ce sera pas pour... voilà. Mais ça peut être mignon pour un Brocélum, quoi. Et surtout qu'au final, Brocélum étant blanc, Falinum, ça marche. Bon, en soi, ouais, j'aime bien Falinum. Parce que c'est vraiment original, pour le coup. Mais bon, après, c'est original parce que quasiment personne... enfin, il y a très peu de gens qui jouent et à Runes of Magic et à Pokémon, ou inversement. Donc, voilà. Brocélum, c'est vendu pour Falinum. Ok, nickel. Aux deux tiers, maintenant, faut Polichon. À 2 sur 3, pardon. Maintenant, faut Polichon, Chucky. Bah non, Chucky, ça a été trop donné, en fait. Après, il faut penser que ça deviendra Branette, etc. Vous voyez ce que je veux dire? T'as des marionnettes célèbres, après, hein. On va pas l'appeler Guignol, tu vois, mais... je sais pas, parce que c'est une marionnette... En fait, il y a les poupées hantées, les marionnettes hantées.
Il y a les joueurs hantés. Mais j'aime bien parce qu'on est tous vachement focus sur les surlents ce soir. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on est tous motivés, tous. Parce qu'on est tous différents. Après, je pense. Comment il s'appelle le voile dans lequel. Vous savez, l'espèce d'arcade dans laquelle. Enfin, à travers laquelle tombe Sirius Black dans l'Ordre du Phénix. Parce que c'est un voile, en fait, entre la vie et la mort, où t'es un peu entre les deux, etc. Tu vas vers la mort, tu vois. Ça peut être bien, parce qu'au final, Polychambre, c'est un peu ça, tu vois. C'est l'idée d'une poupée hantée qui refuse la mort de l'enfant qui joue avec, machin. Je sais pas, ça pourrait être intéressant. Cette idée de dualité mort-vivant, donc fantôme, etc. Tout en ayant l'aspect voile physique de Polychambre et de Brannette également. Vous en pensez quoi? Super idée. Sinon, tu l'appelles Banshee, pour le voile de la Banshee. Je préfère mon idée à base de l'Ordre du Phénix. Mais alors, il faudrait que quelqu'un retrouve comment s'appelle cette arcade. Polychambre, c'est pas une poupée, c'est un motisma caché sous un drap. Du coup, on l'appellerait pas Motisdra. C'est le voile, je suis pas sûr qu'il ait un nom. Branette égale braguette. En plus, M. Branette a des braguettes sur le corps. Et Branette a une braguette dans la bouche. Dit comme ça, c'est space. Styx, le fleuve de la mythologie qui mène au royaume des morts. Et également de la mythologie grecque. Et également d'Assassin's Creed, du coup. Ceux qui ont fini AC3 savent de quoi je parle. C'est AC3 ou c'est Black Flag le Styx? J'avoue, gros brainstorming, hein, c'est la première fois qu'il y a autant de gens motivés pour tout ça, quoi. Mon idée était trop bien, mais attendez, c'était quoi ton idée déjà, Max? Simone, parce que Simone Veil. J'avoue. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Dis pas qu'il peut les chambres, on pourrait l'appeler Miss Texas vu qu'elle est morte. J'ai vraiment enfer pour cette blague. Ouais, non, t'as raison. Je pense que tu vas y aller 2-3 fois en enfer. Après, c'est très risqué à faire, tu vois. Les gens vont dire que ça va pas. Sur YouTube, on va se faire bannir et tout, donc ça ira pas. Ce qui est marrant, c'est que Shinino a eu Grecu Shiny au moment où Jerry a fait sa vanne sur Miss Texas. Moi, je dis, c'est un signe. Poltergeist, c'est un super nom pour Pollution. Bon, mais il a déjà été donné 92 fois, non? Ce stream n'est pas fait pour toi. Bah, du coup, ouais, j'ai l'impression. Mais tu parles à qui, Florian? À GamerX? Ouais, moi, je pense aussi. Mais bon. Dans des strings comme t-shirt aussi, ou Sandy Neuron sinon. Non mais là on sait, non je peux pas, parce que tu vois c'est trop impactant. Mais des trucs genre les maths n'existent pas. Oh! Polychambre Chinaille! J'étais en train de regarder le ralenti de l'euro du Portugal. Putain c'est Polychambre! Bon on va tout de suite faire des trempages alors. Non, on va tout de suite prendre une capture d'écran d'abord. On va attendre de bien le voir. Mais vous voyez que j'ai de la chance. En plus c'est bon, c'est une femelle. Du coup, on a déjà un surnom, je crois. Jerry va nous récapituler tout ça. Et on espère que Synchro a marché. Et ça m'a sorti de ma léthargie. On était vraiment sur les surnoms, les discussions à la con et tout. Hop, la capture d'écran. J'ai la pire tête dessus. Mais c'est pas grave. Du coup, encore une vidéo à monter. Voilà, bravo. Bon, du coup, on est parti pour des trempages. Hop. Comme ça, il peut pas faire. Enfin, signifier malédiction. C'est pas grave. Donc, le surnom, Jerry, du coup. Annabelle, ok, Annabelle E. Pas Annabelle. Je propose de le mettre KO car je voulais brosser le. Ah, ok, d'accord. Alors, meuf, non. Je sais même plus ce que ça fait, châtiment. Ça fait pas grand chose, apparemment. Et là, c'est la magie. Comment a-t-il fauché un Pokémon Spectre avec des trempages qui, en plus d'annuler la malédiction, fait qu'on peut faucher. Polychambre, qu'est-ce qu'on peut lancer Bah, la Scuba, je pense que tu vas bien. Moi, j'ai envie de lancer la Scuba. Jerry, est-ce que tu valides la Scuba? J'ai dit Annabelle, j'ai pas dit Annabelle, j'ai dit mange tes morts. Non, non, t'as dit Annabelle au début, commence pas à faire faire le con. Donc on va partir sur Annabelle. Ah non, Miss Texas, on a dit. Donc Miss Texas ou Annabelle? Miss Texas, c'est glauque as fuck quand même. Hein. La Scuba, mais complètement. Ok, donc on part sur la Scuba. Donc du coup, le surnom, toujours Annabelle ou pas? On part sur du glauque, c'est chaud de mettre ça sur YouTube. Au pire, est-ce qu'on changerait pas d'état? Là, genre Dakota ou Arizona, ou un truc comme ça. Donc voilà, bon, il est attrapé sans trop de difficultés, mais bon, on va donner un surnom, on attend quand même de voir ce qu'on digère. Parce qu'en fait, on peut pas non plus se permettre tout et n'importe quoi sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut l'appeler Monsieur Dakota. Du coup, nous, on sait. Mais, voilà. Bon, on le fait. Alors, pour le coup, cher public, si jamais cette vidéo tombe auprès de gens que ça choquerait, que ça heurterait, des gens que ça heurterait, qui se sentiraient tristes, qui verraient une mémoire insultée ou autre. Alors, voyez-y un hommage, et si jamais il y a quelque manière que ce soit pour que ça vous choque et que ça vous fasse du mal, le viewer, donc Jerry92, qui s'appelle JerrySH92 sur Twitter, vous pouvez facilement déposer une main courante contre cette personne, en prend l'entière responsabilité. Je décline toute responsabilité et j'ai prévenu des risques. Voilà. Donc bisous les gens. Et alors du coup, il est bleu citron sable celui-ci. Donc on est parti. Bon, on va sauvegarder déjà.
Et puis on va faire péter les étoiles. Alors, hyper potion. Ah bah du coup, elle, elle meurt pas. Voilà, ça par exemple, je le mettrai pas dans la vidéo YouTube. Ah, enculé. Bon, on est parti, donc avec Miss Texas. La petite polichambre Shinei dans le safari de Jerry. Après 4 semaines de 100 shiny, ce soir on en a eu un. Bon, l'objectif c'est de faire rencontrer polichambre à un autre polichambre. Et puis après on regardera sa nature, etc. Juste d'abord faire la comparaison. Et c'est parti pour la rencontre donc entre un autre polichambre. Donc voici le nôtre qui est quand même nettement plus beau. En fait je pensais qu'il changeait pas tant que ça, mais en fait il change de ouf. Donc du coup je suis plutôt content. Donc voilà, là on voit bien sur le plan que... Non, enfin le nôtre est quand même beaucoup plus beau. Donc voilà. Et donc maintenant on va faire les paris nature. Donc allez-y pour les paris nature. Donc on avait un synchro modeste. Rigide, brave, jovial, rigide, calme. Putain vous êtes vachement brave et rigide aujourd'hui. Gentil, timide, bizarre, cloque. Ah ouais Jerry t'es un bâtard, oui tout à fait. Nature morte. Modeste, calme, modeste, naïf, malpoli, kappa, modeste. Bon, on est parti. J'espère qu'il va être modeste, même si mon pari habituel, c'est jovial. Donc, on est parti. Et il est modeste. Modeste and Bami, comme dirait Shinino. Donc, il est modeste. Bon, ça, c'est cool. La synchro a fonctionné sur un petit polichambre. Donc, ça, c'est quand même vachement chouette. Voilà. Donc, vous voyez, il est modeste. Il est là. Il est plutôt beau. Hop. Donc, voilà. Il a Cormodi, ce qui est pas terrible, en fait. Mais qui est pas dégueu, alors du coup vous voyez pas Cormodi là, donc hop, voilà. Donc il a Cormodi, qui est pas top. Branette se joue sur le physique. Moi j'ai toujours joué spécial en fait. Donc voilà, bah, après peut-être que Mega Branette se joue physique, mais moi j'ai toujours... Enfin en tout cas je l'ai souvent vu jouer spécial. On va aller voir ses IV d'abord. Branette se joue surtout sur physique, go voir ses stats. En fait c'est pas une question de stats Max Game & Watch, c'est une question de meuf pool en fait. Après si M Branette est physique totale, ben on a merdé. Mais fallait peut-être me le dire au début du stream ça, bande de cons. Après si la méga se joue physique, ça j'en sais rien. Mais le peu que j'ai joué contre des méga Branette, les mecs ils y vont à coup de ballombre, etc. Tu vois donc... Alors s'il est physique, maintenant raison de plus, on va changer de synchro. Si on en a un deuxième comme ça, ben ça ira. Donc je vois, ce Pokémon a un potentiel bien supérieur. PV, défense P, ok. Bon, de toute façon, aucun regret. Hein. Branette normal peut se jouer SP. Bah ouais, à l'époque, il jouait SP. Et je pense qu'en fait, au début que j'ai joué contre des méga Branette, les mecs étaient en mode SP, quoi. Et les mecs jouaient comme ça. Bon, c'est pas bien grave, hein. Je vous avoue que je m'en branle un petit peu. Alors, du coup, on va changer de synchro, on a dit. Donc, le modeste, il va là. Et du coup, on va prendre un rigide. Hein. Parce qu'on a quoi? Broderie, Brosselem, hein, rigide. Ouais, on va prendre un rigide d'ailleurs. Qu'on va faire très rapidement, on va re-rentrer dans le safari. Du coup, ça aurait été vite fait bien fait, hein, la capture, tout ça, c'est très efficace là. Une vidéo qui sera très courte si on n'a qu'un shiny. C'est vachement glauque ce qui se passe dans le chat. Tout ça à cause de Jerry. Moi j'étais content en fait d'avoir un modeste, puis vous m'avez cassé mon délire. Vous êtes méchant. T'as vu l'ambiance que je mets? Bah, une ambiance glauque en fait, hein, tout simplement. Après, ça change pas qu'on a quand même des shiny en shiny quest et que je préfère des shiny en shiny quest quand c'est du savane. Hein. Soyons quand même cohérents là-dessus. J'en peux plus de ces streams, j'ai mon quota de troll pour la semaine, pour le mois même. Hein. Et vous savez qu'on m'a souvent reproché, limite, genre après la 3 de Krakenois, à la base j'ai fait une espèce de fake réaction à l'écrit en surjouant le truc, tu vois, sur le forum de Shiny Hunters. Et on m'a reproché de trouver ça drôle, le fait de pas réagir comme ça. Parce que j'aurais dû, selon eux, après 5 ans et demi de recherche, être totalement excessif, pleurer, hurler, dire que ça y est, ma vie avait un sens et que je pouvais mourir maintenant, etc. Mais ferme ta mère, en fait. Genre, je réagis comme je veux, déjà. Comme je le sens d'instinct. Et surtout, je trouve ça juste ridicule, les overreactions, quoi. Donc merde. Donc que des gens aient des orgasmes, ok, mais qu'on me laisse, moi, être de marbre. Je suis pas de marbre, je suis content, je souris, je fais ouais, génial, machin. Vous l'avez vu tout à l'heure, oh cool, Polichamp Shiny. Voilà, c'est cool, Polichamp Shiny. Voilà, ça s'arrête là. En plus, là, c'est du safari, donc voilà. Mais même pour les autres, genre, je suis pas un petit fou, quoi. Oui, non, mais ça me fait très très plaisir. Vous imaginez que Krakenois, j'étais complètement émotion. Au fond de moi, j'étais joie. J'étais émerveillement, et je dirais, j'étais réjouissance, quelque part. Mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à pleurer, à chialer, à hurler, à avoir des orgasmes en fait. Chacun a sa façon différente d'exprimer sa joie. Ta réaction est censée être instantanée et pas calculée. Bah oui, non, mais c'est pour ça, moi je calcule rien en fait. Je réagis juste comme ça quoi. C'est ma façon de réagir. Paquito, 27 ans, professeur de français dans le live, il n'a pas d'amis, il vit seul avec son chien. Putain, Letty. Ah là là, t'es vraiment la pire des putes. Hein. Au moins, moi j'ai un animal, ok. Ça m'a saoulé, il y a une meuf à une fête, elle squattait ma bière, 3 gorgées, elle était morte. Ok,
Quel est le putain de rapport avec la conversation actuelle? Bon, plus que 3 rencontres, les loulous. Du coup, on a fini. C'était un beau salut savane, malgré tout, puisqu'on a eu un shiny qui a un surnom totalement goldé à 413 rencontres après 4 semaines sans shiny. On a Synchro qui a fonctionné, mais on a découvert après le Stroham que finalement c'était pas le bon synchro. Je suis très content d'avoir eu un shiny après 4 semaines de disette. J'espère qu'on n'attendra pas à nouveau 4 semaines pour avoir un nouveau shiny en salut savane. Voilà, donc du coup, tous, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais vous faire de gros bisous, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Jerry, je te remercie pour ton safari qui m'a porté chance. Un très beau safari finalement, j'aime beaucoup Gros Drive. Au final, le sprite m'a plus ou moins conquis au fur et à mesure. Merci d'avoir joué le jeu ce soir des surnoms. C'est la première fois que vous êtes autant à vous casser le cul pour trouver des surnoms potentiels quand le viewer tire au sort n'a pas trop d'idées. Et j'ai trouvé ça vraiment participatif, collaboratif et bon enfant. Et c'était vraiment cool, quoi. Donc je vous souhaite une excellente bonne fin de soirée. Une excellente bonne fin de soirée, évidemment. Et puis je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Ciao.